tombe dans mon lit. Pour revenir. Je ferais ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Okay, man. Il se prend pour Spielberg. Il nettoie les nez. Oh, attention. Merci. Une vedette aînée, merci beaucoup. Les autographes, c'est après la joute. Merci beaucoup. C'est là. Ok, c'est bon. Vous regardez l'anti-Noël de Rénal Gagné. Et cela commence maintenant. Regardez l'anti-Noël de Rénal Gagné. Et cela commence maintenant. Penses-tu que ton mari est présentable? Il a jamais été présentable, Jacques. Ne regarde-moi son état, là. Il va débarquer de la voiture. Ben, débarquer, il va rouler de la voiture. Ah, mon Seigneur. Tu parles d'une belle fête, toi. Allez, lâche-moi la fête, toi. À chaque jour avec lui, c'est un mot. Hey, vas-y, mon Jean-Luc. Je veux dire, regarde-moi, il n'est même plus capable d'enchaîner aucun mot. Il n'a jamais pu parler, ce gars-là. Il a juste fait des onomatopées pendant toute sa vie. Ah, oh, ben, voyons. Ma vie se résume en quelques mots. Ben, voilà. Voilà des mots qu'on aimerait bien entendre, mais qu'on ne sait pas saisir et surtout qu'on ne comprend pas. Ben, tu comprends rien, tu n'as jamais rien compris, toi. Ben. J'ai tout compris dans la vie. Ben, c'est. Hey, là, regarde-moi ça, toute cette brochette de personnages qui sont ici pour l'émission. Quelle émission? Ben, c'est une antithèse. Oh, sainte. Regarde-moi là qui va nous réciter la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est pas le moment, ça, là. C'est pas Jean, non. C'est Jeannot, excuse-moi, c'est mon... Je me suis fait opérer des naseaux, hein. Mais je me suis fait agrandir tout ça pour, en bout de route, comme dirait l'émission Errance canadienne. On comprend pas ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est ça qu'Errance canadienne? Oh, c'est une aberration de la radio. Ben oui, une aberration, c'est peut-être exagéré. Ouais. Dans mon cas, là, si je compte... Toutes les aberrations de notre société, ça en fait partie. Bon, OK. Là, t'es dans le négatif. Ben, ça m'amène tout le négatif. Regarde-moi ça, toutes les. Jacqueline qui a de la misère à amener les cadeaux. On lui a dit, amène pas trop d'affaires. Elle dit, oh, ben, juste pour les enfants, les petits-enfants. Ben, c'est. Ils vont plus s'amuser avec l'emballage qu'avec les jouets à l'intérieur. Voyons, donc, la maudite fête de consommation. T'es en consommation, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des petites gâteries. Non, il y a compte en consommation. Plus t'es con, plus tu consommes. Ah, oh, ben ça, ça fait combien de bières que t'as bu? Moi, j'ai rien. Regarde-moi. On te regarde, là, mais on aimerait bien ça, voir autre chose. Ben, c'est ça. Regarde ailleurs. Ah, il a amené ses disques de Dick Rivers. Qu'est-ce que t'as contre Dick Rivers, toi? Eh, monsieur. Après 3-4 bières, il est Otto Rivers. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, oui. Il commence à se mettre une robe, une perruque, du rouge à lèvres, du rouge à lèvres, du rouge à lèvres, du rouge, alors tu crois, du rouge où tu veux, ou à travers ce qui représente son visage, mais qui n'est qu'une aberration de sa naissance jusqu'à maintenant. Oh, ben c'est parce que ma chirurgie esthétique, commence pas à parler de ta chirurgie esthétique. Personne ne veut savoir de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se dit pas de ce qui s'est passé. Hey, toi, le professeur de français, là, tu vas te la boucler, tu vas mettre ta ceinture, tu vas rentrer. J'aimerais ça que tu rentres dans la voiture avant. Tu boucles, tu mets ta ceinture, tu fermes la porte, tu barres la porte, puis tu restes là pendant toute la soirée. Ben, c'est ça. Prenez-moi pour une dinde. Ben voilà, c'est la dinde, c'est la farce. On va te mettre dans le four à 350, puis on ne mangera pas. On va te laisser là, puis on va te regarder pour rire. Eh, monsieur, c'est violent. Rire. Oh, mon Dieu.
qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que c'est l'anarchie. Oh, on commence à aimer ça, hein? L'anarchie, il y a quelque chose là-dedans. Là. Il y a une recette gagnante. Ben oui, hein. Il y a toujours des recettes gagnantes avec toi. Et quand c'est pas bon, c'est quand même gagnant. Ben voyons. Ben voyons, toi. Moi, t'expliquer des petites affaires de la vie. Quand tu réussis pas, c'est un apprentissage. Oh, ben, essayons. Regarde, ça fait 8 mariages que j'ai eus. Que je me suis divorcé avec une grande joie parce que c'est quoi? C'est un apprentissage. C'est ça, c'est un apprentissage. Plus t'apprentis, plus tu grandis. Plus tu apprends. Eh, mon Dieu, Seigneur. Tu fais passer à l'apprenti sorcier. Oh, ça, c'est une belle histoire. Ça. Ben, on s'en souvient même plus. Je sais même pas de quoi ça parle. Ben, c'est un sorcier qui apprenait à l'être. Ben. Ça part-tu de ta vie? Un peu. Je pense qu'ils ont... je crois, parce qu'on pense pas. Il n'y a pas de grand penseur ici. Là. Ici, on regarde, il y a même Tremblay. Ben, moi, je pense bien que ma dinde à 350 degrés, une heure et demie, ça va cuire al dente. Al dente. Al dente, c'est pour la sauce à spaghetti. Ça. Ben non, c'est pas la sauce à spaghetti. C'est pour le spaghetti lui-même. Oh! Comment fait-on pour savoir si la pâte à spaghetti est al dente? Pas al dente, al dente! Où t'as pris ton italien, toi? Ben, je l'ai pas pris, moi, c'est... tu connais Gago? Gago? C'est ton nouvel amoureux? Mais non, Gago, Gago l'Internet. Bon, un autre. Ça vient d'où, ça, Gago l'Internet? Ça doit être de Cimérie, toi. Mais non, Gago l'Internet. Hey, arrête-moi ça. Internet, c'est pas répandu comme nom, ça. C'est pas un... Ben, c'est un nom, mais c'est pour nommer quelque chose. Ah, c'est une chose. Bon, c'est rendu que madame, là, s'accote, s'amourache de quelque chose, là. Hey, bon, t'es rendu matérialiste. Mais non, Google Maps. Google Maps, tu me fais dire n'importe quoi. Google, Google. Je connais pas ton Google, moi. Quel âge j'ai là? Ah, ben, quel âge j'ai là, Google? Au moins 10 ans. Ah, oh ben, la pédophile, c'est une pédophile, 10 ans, non, non, c'est pas un être humain. Ah, oh, bon, madame, ça s'agglutine dans des sentiers un peu trop chaotiques. Mais voyons, l'ordinateur, tu connais pas ça, l'ordinateur? Ben, je suis pas dans cette génération-là, moi, là, là. Moi, je joue aux cartes, je fais mon chapelet, je compte le temps qui me reste à vivre. Crois-tu que je suis capable d'aller sur, comme tu dis, là? Un ordinateur. Hey, en parlant de cœur, là, on m'a pompé coronarien au troisième degré. Il peut flancher n'importe quand. Mais c'est pas cœur, c'est teur, ordinateur. Ben, c'est. Hey, toi, tu mets teur, à peu près, là. Écoute-moi donc. Écoute-moi donc, ça m'intéresse pas, toi, la technologie. Ben, c'est ça. En tout cas, moi, t'expliquer ça, là. Sur Google, tu prends traduction. Puis là, tu peux écouter ce que ça veut dire dans la langue d'origine. Oh, monsieur. Puis là, le mot que tu essayes de dire, ça vient de la langue d'origine. Ben oui. Puis comment tu dis ça? Je ne me rappelle plus du mot. Ben c'est, ça commence bien, ça là. Ça commence bien. Puis là, j'aimerais comme avoir un petit aperçu de ce qui se passe actuellement. Ben, ce qui se passe, c'est une émission de radio. De radio. Même pas capable de dire radio. Tu dis radio. Pourquoi tu dis radio? C'est ma génération, moi, là. On disait radio, on disait peuter. Oh oui, j'ai envie de peuter. Puis-je peuter, Madame Tremblay? Ben, peute! Garde-moi la peute. Ah, oh, non, c'est pas la même chose, ça, là, c'est un autre discours, ben. CKRL, cultive tes goûts.